Réunis au sein de la Confédération nationale des albinos de Guinée, ces jeunes ont tous bénéficié des crèmes solaires pour réduire leur vulnérabilité aux attaques des rayons solaires. La cérémonie de distribution s'est déroulée ce dimanche à Dixine. Il y a un lien de partenariat qui existe entre l'ONG ANAS du Sénégal et la Confédération nationale des albinos de Guinée. Mais comme ceux-ci ont des partenaires en Amérique et en Europe, lorsqu'on les envoie les crèmes solaires, ils pensent à nous aussi, en nous donnant une partie de ces crèmes. Fondateur de la Confédération nationale des albinos de Guinée, Nabila Moussa s'intéresse au premier plan à l'assistance des albinos. Ce qui m'a motivé à regrouper les albinos, c'est des êtres humains. Ils sont comme nous. S'ils ont résisté ailleurs, moi je les accepte. Moi je les aide pour que demain ils puissent faire quelque chose. Et aujourd'hui, la distribution de ces crèmes, je vis la peau des albinos de la Guinée commence à dégrader. Et on est partout au Sénégal pour les chercher. Donc aujourd'hui, je suis content de les faire voir avec moi, de faire la diffusion gratuite. Fortement stigmatisés dans un passé récent, ces albinos, par la force des sensibilisations, s'intègrent de mieux en mieux dans la société. Nous sommes maintenant avec nos parents et bon nombre de parents rejetaient les albinos. Ça suscitait même des séparations, des discordes dans la famille et on rejetait les mamans qui nous donnaient naissance. Donc aujourd'hui, dès qu'un albinos naît dans la société, avec nos différentes sensibilisations, les parents sont informés et puis ils l'acceptent à deux bras ouverts. De plus en plus, des bonnes volontés se manifestent, même si des efforts restent encore à faire. Je me suis intéressée à l'albinisme parce que c'est un cas qui n'intéresse pas les gens, à part leur donner des sacrifices, alors que l'albinisme, pour moi, est une maladie, est un handicap. Et cet handicap, comme tous les handicapés, il faut leur venir en aide. Et j'ai été encouragée par un jeune qui est Morgan, qui a commencé cette structure et qui a peu de moyens. Le peu de moyens que j'ai, je mets à leur disposition. Malgré les préjugés sociaux, l'albinisme est une maladie génétique héréditaire qui se caractérise par un déficit de production de mélanine.